Sept siècles que la Terre est plongée dans l'ignorance. Sept siècles que les immortels ont juré de rendre aux hommes la connaissance et la liberté. Tous ont fait ce serment, tous, sauf un, qui règne seul en tyran. Mais bientôt un immortel se dressera contre lui. Il s'appelle Quentin MacLeod. C'est le Highlander. Employer les grands moyens. Oh, j'ai peur. Ne t'en fais pas. Il y a sûrement un moyen de sortir d'ici. Ah oui, reste à deviner lequel, Highlander. Eh bien, je sais pas exactement. Un passage secret, une sorte de souterrain. Et pourquoi pas une bibliothèque qui pivote quand on s'appuie à la cheminée. Toutes les issues ont été bloquées, capitaine. Parfait, c'est de l'excellent travail. Alors, désormais, tu ne pourras plus mettre en doute l'efficacité de mes troupes. Sans nous et notre puissant réseau d'espionnage, toi et Hunter ne pourriez absolument rien contre les rebelles. Ça, c'est toi qui le dis. Arrak, cette victoire nous appartient, à nous, les fonctionnaires. Et ceci que tu le veuilles ou non. Et le Seigneur Cortan en sera seul juge. Cette tour dehors, ça semble être un parking, et tous les parkings ont une issue de secours. Un parquoi ? Si on parvient à atteindre ces tours, on a peut-être une chance. Mais c'est impossible ! Oh, tu as peut-être mieux à proposer, MacLeod ? On y est presque.
Il ne craint rien, ce n'est pas après lui qu'ils en ont, Clive. Oh! J'ai bien peur pour vous que votre petite cavale ne doive s'arrêter là. Emparez-vous d'eux! Quentin! Viens te battre, Arak, si tu l'oses! Eh bien, tes hommes te regardent, tu veux les décevoir? Je croyais que tu ne voulais plus combattre, Ramirez. Pour toi, je ferai une exception. Qu'est-ce que tu dis de cette petite leçon, Arak? Ramirez! Oh, rendez-vous. Vous ne reverrez plus la gamine. D'accord, mais ne lui fais aucun mal. Je reconnais bien là les méthodes de Mogonda. Non, Arak, tu n'as pas le droit, arrête. Prépare-toi à mourir. Maître, non. Oh, non, maître. Tu n'es qu'un sauvage, Arak. Je ne l'ai pas fait exprès, il s'est jeté sur moi. C'est seulement un accident. Quentin, vite! Qu'est-ce que vous attendez pour les suivre? Rattrapez-les! C'est un ordre! Vite, il a besoin d'aide! Place, place! Faites place à votre vénéré seigneur Quentin! Vous n'avez pas l'air au mieux de votre forme, capitaine Arak. Vous me semblez un peu pâle. Qu'y a-t-il? Vous ne vous amusez pas? Cet endroit est pourtant si gai. Il faut faire quelque chose, seigneur. Si on ne le soigne pas vite, il risque de mourir. Oh! Regardez, seigneur Quentin. Vos amis immortels semblent avoir cassé un de vos jouets favoris. Seigneur, il faut faire quelque chose ou il mourra. Il a déjà perdu beaucoup de sang. S'il doit mourir, eh bien qu'il meure. Que m'importe sa survie? Quand le moment du dernier combat approche... Mais, seigneur, il peut encore vous être utile. Il faut que vous le sauviez. Les mortels passent tandis que nous demeurons à jamais. Allons, tu le remplaceras. Non, non! Dites-moi comment le guérir. Je vous en supplie, seigneur. Pitié! Écoutez, oui, écoutez la chanson du grand fonctionnaire blessé qui perdait tout son sang et très vite se vidait. Ouais. Assez. Assez. Tu n'aimes pas ma chanson? Eh bien, sache que tu as tort. Elle peut t'aider à sauver Asclepios. Quoi? Comment? Elle te dit comment le guérir. Mais... Si tu veux vraiment sauver sa misérable vie, tu as besoin de sang. De sang? Oui. Du sang d'un immortel. On dit qu'il est universel et c'est à toi de prendre une décision. Écoutez, oui, écoutez la chanson du grand fonctionnaire blessé qui perdait tout son sang et très vite se vidait. Pas ici. Le parking, c'est notre dernière chance. Sauve-moi, Valka. Je ne veux pas mieux. Chut, ne parlez pas. Vous vous fatiguez. Valka, ne m'abandonne pas, Valka. Non, je vais vous sauver. Je connais un moyen. Seigneur! Nous avons localisé les rebelles. Ils se sont réfugiés dans la tour. Dis à tes troupes de l'encercler, Arak. Le moment approche, seigneur.
faut aller en haut. Ça y est, c'est l'heure du grand feu d'artifice. Dis, est-ce qu'ils s'en vont, Quentin? Hein? Ramirez, que font-ils? Je l'ignore, mais je n'aime pas ça. Que cherches-tu, Ramirez? J'ai eu le même modèle, il y a très longtemps. Votre victoire est éclatante, seigneur. Qu'on les sorte de là. Je me débarrasserai du Highlander à l'endroit exact où jadis on a voulu se débarrasser de moi. Sur la colline des serments. J'ai toujours su que vous étiez un grand sentimental, seigneur Corp. Arrêtez! Arrêtez! Je vous sauverai, maître, et rien ni personne ne pourra m'en empêcher. Pourquoi fais-tu ça? Je ne suis pas responsable de la mort d'Asclépios. La vengeance ne te le rendra pas. Il n'est pas mort. Alors, qu'est-ce que tu attends de nous? Votre sang. Voilà ce que je veux. Seul le sang d'un immortel est susceptible de le sauver. Non, elle a raison, Quentin. Notre sang est universel. Il convient à tous les mortels. Valka. Oh non. Oh maître. Vous n'auriez pas dû. Vous êtes encore si faible. Quentin, il faut faire quelque chose. Il va mourir. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas rester ici. Allons. Oh. Il est là. Je sens sa présence. Ça y est, ça le reprend. Thank you.
verrouiller chaque galerie, une à une. Maître. Arrêtez. Je n'aurai pas la force d'aller plus loin. Vous devez le sauver. N'oubliez pas qu'il s'est sacrifié pour vous. Que racontes-tu là? Il a obéi aux lois que Cortane impose. Il est son plus zélé serviteur. Pourquoi le sauverions-nous? On ne peut pas le laisser mourir sans rien tenter, Ramirez. Ce serait inhumain. Et si tout ça n'était qu'un piège? Je vais lui donner mon sang. Non! Je vais le faire. Toi, il faut que tu puisses te défendre. As-tu le matériel dont nous avons besoin? Oui, on a tout ce qu'il faut ici. Bonjour Malone, je suis enchantée. Arak! Oui, seigneur. Suis-moi. Oh, attendez-moi, seigneur Cortane! Attendez-moi! Bon, à tout à l'heure. Oh, ça y est, il revient à lui. Il est sauvé. Oh, mais... Evalka, tu nous as trahis. Ce n'était qu'un piège. Cortane est là, Ramirez. Va-t'en, Cortane, va-t'en immédiatement. Toi et Clyde, sauvez-vous. Il est trop tard, vous avez perdu. Les fonctionnaires ont eu raison des rebelles. Cortane sera fier de moi. Je t'en supplie, Quentin. Va-t'en et vite. Oh. Si tu ne nous sors pas de là, tu peux dire adieu à ton cher Asclepios. Tiens, encore toi. Dis donc, tu grossis, Malone. Le combat est tout proche, Seigneur Cortane. En avant. Allons, montre-toi, MacLeod. Oh oh! Miroir brisé, malheur assuré. Et là, regardez. On va sortir par ce trou à rats. Clyde, tu passes la première. Hé, hey, c'est tout noir là-dedans. Et en plus, ça descend. À vous maintenant. Je t'aurai, Quentin MacLeod. Ta tête roulera, Mickey, tout comme y a roulé celle de ton aïeul. Seigneur Cortane, ils ont fui par là. Ramène-les-moi. N'avisez pas de nous suivre. Je savais bien que c'était toi qui étais derrière tout ça. Cortane sera ravi d'apprendre que tu l'as trahi. Je ne donne pas cher de vos vies, fonctionnaire. Comme tu veux, mais je ne donne pas beaucoup de la tienne non plus, Arak. Si Cortane apprend que tu as essayé de me tuer... En voulant supprimer un immortel toi-même, tu as désobéi aux lois de Mogonda, Arak. Hein? Crois-moi, je suis sûr qu'il est de notre intérêt à tous les deux que le seigneur Cortane ne sache rien de tout cela. Alors... Thank you.
meilleur des crânes. Je ne suis pas mécontent de quitter cet enfer. Oui, c'est vraiment pas un endroit pour les enfants.